Ça y est, il est là, c'est l'heure de l'arithmétique. Alors aujourd'hui, mes chers étudiants, nous allons voir un exercice dont le résultat n'est pas négligeable, c'est assez joli. Hein. On va réfléchir à ça. Donc on considère deux entiers supérieurs à 1. A et B, oui, on se donne un entier n supérieur à 2. Et en fait, ce qu'on cherche à regarder, c'est la divisibilité de n puissance b moins 1 par n puissance a moins 1. Et en fait, on veut montrer que ça équivaut juste à dire que les puissances se divisent. Alors, on vous suggère de considérer la division euclidienne de B par 1, ce qui est une bonne chose. Généralement, quand il y a une indication, il est conseillé de la suivre. Donc la condition de divisibilité de division euclidienne, c'est dire que le reste est un élément de 0 à 1 moins 1. Ok, donc ça, c'est une application de la division euclidienne. Alors ça c'est intéressant, l'idée c'est de regarder une factorisation. Voilà la stratégie. C'est de regarder n puissance b moins 1 comme étant n puissance a moins 1, facteur de quelque chose. Et ce quelque chose, on va le construire ensemble. On a implicitement... implicitement... Pour l'instant, là, on fait de la prospective, donc on va regarder, après on donnera un énoncé précis. Mais implicitement, on a supposé que B était plus grand que A. C'est bien. Donc, quand vous voulez développer, on va développer en un polynôme en N. Et donc, quand vous voulez développer, le premier facteur, si vous voulez atteindre N puissance B, en multipliant par N puissance A, vous voyez qu'il faut que vous fassiez apparaître B moins 1. Seulement, vous avez un terme correctif, lié au moins 1, qui est moins nb moins a. Et vous voulez que, multiplié par na, je tue ce terme correctif. Donc, ça va être nb moins 2a. Et ainsi de suite, vous recommencez. Et vous pouvez recommencer combien de fois? Vous pouvez recommencer q fois, puisque à la fin, vous allez obtenir n moins Q1. Puisque après, si vous passez au rang suivant, si vous prenez Q plus 1, vous allez obtenir quelque chose de négatif, puisque R est plus petit que 1 moins 1. Ok. Donc, si je développe ça, vous voyez que
Si je développe ce produit, eh bien j'obtiens n puissance b moins le dernier terme, c'est-à-dire n puissance b moins q. Donc du coup, ça c'est aussi un b moins qa. C'est aussi r. Du coup, vous voyez que ça, vous avez plus intérêt à l'écrire n moins b moins 1, puisque c'est ce que vous recherchez. I. Et plus. Alors si vous avez retiré 1, eh bien il faut que vous rajoutiez 1. Donc vous avez 1. Alors je suis un tout petit peu embêté, j'ai commis une erreur quelque part. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Et moins n puissance r. Oui. Bien. Et la discussion a lieu maintenant sur, c'est-à-dire, bon, je vais réécrire ce que j'ai obtenu. J'obtiens, je préfère l'écrire comme ça. Je vais passer ce truc-là de l'autre côté. Ça, c'est n puissance 1 moins 1 facteur de n plus n b moins q1 plus nr moins 1. Bien. Et ce que je remarque, hein, c'est que r, il est strictement inférieur à 1 et il est positif. Donc ça, ça va impliquer que n puissance r est supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à n puissance 1, ce qui va impliquer finalement que si je retire 1, j'ai n puissance r moins 1 qui est strictement inférieur à n1 moins 1. Ben ça, c'est formidable. Pourquoi ? Ben parce que si vous notez ça, vous l'appelez Q, et ça vous l'appelez grand R, vous avez fait quoi? Bien, vous avez écrit n puissance b moins 1 qui est égal à Q fois n puissance 1 moins 1 plus R, avec R qui appartient à 0 n puissance 1 moins 1 moins 1. Et donc, eh bien ça, c'est la division euclidienne. De n puissance b moins 1 par n puissance a moins 1. Bon, et eh ben du coup, alors c'est magnifique. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose de d'intrigant, c'est que R c'est le reste de la division de A par B, bah, N puissance R moins 1 c'est le reste de la division de N puissance B moins 1 par N puissance A moins 1. Et mais, hop, les choses passent aux exposants, le tout moins 1. Alors, bah, maintenant on sait répondre à la première question, ça devient extrêmement trivial une fois qu'on a fait ça. N puissance A moins 1 divise N puissance B moins 1, bien si et seulement si le reste de la division euclidienne égale 0. La propriété de la division euclidienne, et donc si et seulement si, le reste étant N puissance R moins 1, bien on voit que ça équivaut, parce que N n'est pas égal à 1, à R égale 0. Mais R égale 0, bien ça équivaut finalement à A divise B, puisque R c'est le reste de la division euclidienne de A par B. Et donc vous avez montré la première équivalence. Bien, et maintenant bah, on va utiliser en fait cette remarque là pour caractériser le PGCD de n puissance a moins 1 et de n puissance b moins 1.
Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, donc, je prends... Oui, non, pour l'instant, je ne vais rien écrire. Je vais juste écrire l'algorithme de Clint. Alors, l'algorithme de Clint, bien, pour A et B, hein, eh bien, j'ai A égale Q1B plus R1. J'ai B égale Q2B plus R2. J'ai R2. Pardon, Q2, décidément, je fais la division par R1. Donc j'ai R2, R1, pardon, qui est égal à Q3, R2 plus R3, et etc. J'ai Rn moins 2 égale Qn Rn moins 1 plus Rn, et le dernier reste. Voilà, je sais que cet algorithme converge, et je sais surtout que le dernier reste, non nul, c'est mon PGCT. Bien. Alors, je vais utiliser la propriété que j'ai écrite ici. Vous voyez. Et, bien, je vais regarder ce que c'est que NA. Alors, j'aurais dû diviser B par A, ce qui ne va pas changer grand chose. Alors, je préfère l'écrire comme ça pour être. Pourquoi je préfère l'écrire comme ça? L'algorithme de Clint ne change pas, mais je préfère l'écrire pour que vous puissiez bien voir cette relation qu'on a donnée. Alors, NB-1, eh bien, c'est un certain Q1 que j'écris pas, hein, qui a été décrit dans le. Fois NA-1 plus grand R1. Mais grand R1, je sais ce que c'est. C'est N puissance petit R1 moins 1. Pourquoi? Bien parce que j'ai appliqué ce que j'ai démontré à la première question. Le R1 est le reste de la division euclidienne de B par 1. Bon, bah maintenant si je fais NA moins 1 divisé par le reste qui est NR moins 1, ben c'est Q2 NR 1 moins 1 plus R2, mais ce R2 qu'est-ce que c'est? Eh bien j'applique ce qui est écrit ici, j'ai divisé A par R1, donc ça, ben, c'est tout simplement NR2 moins 1. Bon. Et j'applique ça. Et jusqu'ici, alors je vais m'arrêter là, n puissance rn moins 2 moins 1, c'est égal à un certain grand Qn, facteur de n rn moins 1, moins 1, plus, et là j'ai un grand rn, et ce grand rn, bien, toujours à cause du résultat qu'on a démontré, c'est tout simplement n puissance petite rn moins 1. Oui. Et si j'écris le dernier dernier élément, bien j'ai n rn moins 1 moins 1 égale q n plus 1 et n puissance rn. Ah, je suis en train de... Bravo Deschamps, le N, il y a un conflit de notation. Alors on va le noter quand celui-là. Le N n'a rien à voir. Hein. Voilà. Donc ce N-là, lui, ne bouge pas. Par contre, c'est ce petit K. Je suis en train de me dire, un joli conflit de notation. C'est délicieux. Plus R, alors c'est QK. QK plus 1. Et voilà, plus
RK plus 1, mais RK plus 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est n puissance 0 moins 1, c'est-à-dire 0. Bien. Mais vous voyez que les hypothèses, donc là j'ai l'algo d'Euclide pour le couple BA, vous voyez que les hypothèses, c'est qu'à chaque fois ici j'obtiens une division euclidienne. Et là j'obtiens le dernier reste non nul. Donc ça, c'est aussi l'algorithme d'Euclide pour le couple n puissance b moins 1, n puissance a moins 1. Il y a un seul algorithme d'Euclide. Et eh bien, que me dit l'algorithme d'Euclide? Il me dit que le dernier reste non nul correspond au PGCD. Donc, vous voyez que PGCD de AB égale RK, si et seulement si, PGCD de n puissance a moins 1 n puissance b moins 1 égale RK. Oui. Eh bien, si vous notez d égale PGCD de AB, enfin, oui, d égale PGCD de AB, c'est équivalent à, alors il suffit de savoir ce que c'est que RK, ben, c'est équivalent à dire que RK c'est petit d, petit RK, donc grand RK c'est n puissance d moins 1 égale le PGCD de n a moins 1, nb moins 1. Voilà. C'est assez élégant comme preuve, hein. On utilise l'algorithme d'Euclide et on utilise la caractérisation. La caractérisation du dernier reste non nul qui donc caractérise le fait d'être le PGCD. Donc essentiellement, eh ben, c'est cette propriété-là qu'on a utilisée et qui permet de démontrer en fait et la question petit a et la question petit b. Voilà pour cet exercice. Bien. Eh bien, on va passer à l'exercice suivant. Alors, exercice suivant. Et voilà. Je vais me donner. Donc, c'est l'exercice 20. Je vais me donner x, y des réels. Mais. Et on souhaite montrer par récurrence. Donc, de mémoire, c'est encore un exercice que j'ai mis en examen. On souhaite montrer par récurrence que, sur n, que pour tout n supérieur à 1, bien x puissance n moins y puissance n est factorisable par x moins y et factorisable de la manière suivante. Le facteur, c'est la somme des xk y puissance n moins 1. C'est fort bien. Alors, montrons cette propriété. Ben, ça se montre par récurrence. Pour n égale 1, que dit l'équation? Ben, elle dit que x moins y, c'est x moins y facteur de la somme de k égale 0 à 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc, fois ben, k égale 0 et n moins 1 égale 0. Ben, ça vous fait x puissance 0, y puissance 0, c'est-à-dire 1. Et donc, vous voyez que il y a bien égalité. Alors, on suppose la propriété vraie pour n supérieur à 1, donnée. Alors, en n plus 1, eh bien, alors au choix, soit vous partez du côté gauche, soit vous partez du côté droit. Moi, j'ai plutôt envie de partir du côté droit. Il y en a cette somme-là. Alors, n, n plus 1, donc ça donne. Je rends n plus 1. Donc ça donne n. Ici j'ai x puissance k et ici j'ai y puissance n moins k. Voilà. Et ça, ben, il s'agit de montrer que c'est égal à xn plus 1 moins yn plus 1. Alors l'idée, ça va être évidemment de se ramener à l'hypothèse de récurrence. L'idée, c'est donc de travailler sur cette somme. Alors, comment travailler sur cette somme? Ben, j'ai envie, pour me raccorder au cas au rang n, de faire descendre d'un, c'est-à-dire d'ignorer
d'ignorer le dernier terme, ou plus exactement de l'isoler plutôt que l'ignorer. Vous voyez, donc ça me fait somme de k égale 0 à n moins 1 de xk y n moins k. Et puis donc là, j'ai isolé le dernier terme. Le dernier terme, c'est... le dernier terme, qu'est-ce que c'est? C'est... j'ai y arrivé. Ben, c'est k égale n. Donc ça, ça me fait 1. Et ça, ça me fait x puissance n. I. Ok, donc ça... bien, je vais virer un y ici, et donc x moins y facteur de y fois la somme. Hein, vous voyez que k s'arrête en n moins 1, je peux factoriser par y. Hein, donc j'ai y n moins 1 moins k plus mon terme correctif xn. Bon, bah c'est là qu'on utilise l'hypothèse de récurrence. Quand vous multipliez par x moins y, eh bien cette somme, vous allez obtenir x puissance n moins y puissance n. Alors, je n'oublie pas le y qui est là. Donc, ce truc-là, ça correspond à ça fois ça. Plus, eh bien, x puissance n, x moins y. Bah, quand vous développez, ça vous fait yx puissance n moins yn plus 1 plus xn plus 1 moins yx puissance n. Ça se simplifie et vous voyez que votre propriété est montrée par récurrence. Parfait. Alors, on va essayer d'appliquer cette formule pour trouver quelque chose sur les entiers. Maintenant, parce que là, c'était pour des réels de compte. Maintenant, on va se donner trois entiers naturels ABP, que je suppose plus grand que 1, ils sont non nuls. Hein. Alors, on demande que de montrer que, hein, question petit a, et alors où est-ce que je suis? Montrer que s'il existe, donc l'hypothèse c'est, il existe un entier L supérieur ou égal à 0, tel que B soit égal à A plus PL. Et ça, c'est l'hypothèse. Et qu'est-ce qu'il faut montrer? Eh bien, il faut montrer que quel que soit H supérieur à 0, il existe un M indice H supérieur ou égal à 0, tel que B puissance H soit égal à A puissance H plus PMH. Oui. Voilà. Bien, bah on sent évidemment la question petit 1. Donc là, j'ai un énoncé quantifié universellement. Je vais donc me donner un H supérieur à 0. Oui. Et je vais regarder la quantité B puissance H moins A puissance H. Ben, B puissance H moins A puissance H, à cause de de la question 1, hein, j'applique la question 1 pour X égale B, Y égale A et N égale H, et bien ça, je sais que c'est B moins A, somme de K égale 0 à H moins 1. Alors, x c'est b, donc de b puissance k, a puissance h moins 1 moins k. Mais je fais attention, le lemme précédent, il marche pour h plus grand que 1. Donc je vais mettre h plus grand que 1 de côté. Et je vais regarder le cas h égale 0 à part. Bien, alors par hypothèse, eh bien, b moins a, c'est p fois l. Oui. Donc, c'est p fois l, cette chose-là. Eh bien, vous voyez que c'est p m indice h avec m indice h qui est égal à l fois cette somme.
Donc cette question est une simple application de ce qui précède. Alors, il reste quand même le cas h égale 0. Bah, le cas h égale 0, b puissance h et a puissance h valent 1. Donc, il suffit de choisir m indice 0 égale 0. Et le tour est joué. Donc, la propriété est effectivement vraie pour tout h. Bien, on passe à la question B. Alors, on va supposer que P divise A moins B. Donc, on sait que, quel que soit H supérieur à 0, c'est ce qu'on vient de montrer, que B puissance H, c'est A puissance H plus P, M petit H, avec M petit H, un entier positif. Et on vous demande de regarder la somme pour k égale 0 à p moins 1 de a puissance k b puissance p moins 1 moins k. Bon. Et en fait, l'idée c'est d'appliquer cette relation pour h égale p moins 1 moins k, et vous voyez que a puissance k b puissance p moins 1 moins k, eh bien ça va être, alors j'ai mon ak en facteur de a puissance p moins 1 moins k plus p fois m de p moins 1 moins k. Oui, mais quand je le développe, vous voyez que le k se tue ici, c'est ce qui va nous sauver, plus p fois a puissance k, m puissance p moins 1 moins k. Alors si je reviens à ma somme, cette somme-là, eh bien vous voyez que c'est la somme pour k égale 0 à p moins 1 de a puissance p moins 1 plus p fois 1 puissance k m puissance p moins 1 moins k grâce à ce petit calcul. Et bien du coup ma somme, vous voyez, elle est cassée en deux. Là je somme de k égale 0 à p moins 1 une constante, donc ça me donne p fois cette constante, il y a p terme plus, puis à chaque fois je peux factoriser p dans cette somme. Bon, mais tout ça, ce sont des entiers. Et donc, vous voyez qu'in fine, ben, je peux factoriser par quelque chose d'entier par P. Et donc, je viens de montrer que si P divise A moins B, alors, P divise cette fameuse somme. K égale 0 à P moins 1. De AK B puissance P moins 1 moins K. Bien, et ben on peut conclure. Bon. Supposons que P puissance N divise AB moins B. Et bien je sais que A puissance P moins B puissance P, ça c'était le petit 1, c'est A moins B fois cette somme. Eh bien, ça, c'est divisible par p puissance n, mais si c'est divisible par p puissance n, n est supposé supérieur ou égal à 1 ici, eh bien, en particulier, c'est divisible par p, et à cause de ce qu'on vient de montrer, eh bien, ça aussi, c'est divisible par p. Donc, le produit est certainement divisible par le produit des deux, c'est-à-dire pn plus 1. Et donc, vous avez montré cette propriété, que si p puissance n divise à moins b, eh bien, P puissance N plus 1 divise A puissance P moins B puissance P. Voilà, mes chers étudiants, eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures arithmétiques. Hein. Et si jamais il m'arrivait quelque chose, voilà, n'oubliez pas que voilà, hein, il suffit de regarder à l'intérieur pour obtenir les détails.
Bye bye.